Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième journée, dans cette semaine, pour être puissamment fortifié. Et je disais hier que je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour son ministère. Il vient nous fortifier, nous rendre forts et il nous donne sa paix, sa joie. Et aujourd'hui, on va parler d'être déterminé à réussir sa vie. C'est la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez réussir votre vie. Et dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, la Bible nous fait mention de plusieurs personnages bibliques qui ont vécu dans la même condition, la même nature que vous et moi, et qui sont passés par des difficultés, par des choses vraiment parfois même terribles, mais qui ont persévéré. Et hier, j'ai partagé la différence entre la foi, la persévérance et la détermination. La foi, c'est cette ferme assurance, on croit vraiment que Dieu va le faire, on croit aussi en Dieu, on s'attache à Dieu dans notre foi, et aussi on peut être persévérant dans cette foi, donc on continue de tenir ferme dans notre foi en Dieu, que ce soit dans la croyance ou que ce soit dans la foi pour les promesses de Dieu, dans notre témoignage de Christ. Mais j'ai dit hier qu'on a besoin d'un élément indispensable entre notre foi et notre persévérance, ces deux ingrédients pour lesquels ceux qui ont cru en Dieu ont obtenu ce qui leur a été promis, c'est vraiment la détermination. On a besoin de détermination. Beaucoup de gens croient en Dieu, ils croient que Dieu va le faire, ils persévèrent dans leur foi en Dieu, que Dieu va le faire, mais il leur manque quelque chose qui va amener parfois la réalisation des promesses de Dieu à se manifester, c'est la détermination. Hier, je vous ai encouragé à être fortifié, à vaincre le découragement. On a passé un temps dans la présence de Dieu, c'était formidable. La présence du Saint-Esprit était là, elle était palpable, une présence de douceur pour nous fortifier. Et aujourd'hui, Dieu veut vous amener plus loin. Alors que vous commencez peut-être certains d'entre vous à sortir la tête de l'eau, peut-être d'autres, il y a un espoir qui naît à l'intérieur de vous. Dieu veut vous faire réussir votre vie. C'est le plan de Dieu pour vous. Et dans ce chapitre 11 de Hébreux, l'auteur dit « Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais pourquoi ? Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et l'auteur déclare, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Oh, glorieux Jésus-Christ. Réussir votre vie. Et lorsque nous lisons ce passage, nous découvrons bien entendu que la réussite de notre vie n'est pas forcément celle dont le monde nous parle. Réussir sa vie, c'est le plan de Dieu pour l'Église. C'est le plan de Dieu pour vous. Dieu veut que vous puissiez réussir dans toutes vos entreprises. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est bénir des entreprises qui ne viennent pas de lui. C'est pourquoi pour réussir notre vie, on doit passer par l'autel de sacrifice. Donner à Dieu, l'autel des offrandes. Se donner tout entier à Dieu. Beaucoup veulent la bénédiction sans passer par l'autel de l'offrande. L'autel du tout entier à Dieu. Et c'est difficile pour Dieu de bénir
une personne qui ne cherche que ses intérêts ou à assouvir des désirs égoïstes, Dieu bénit ses plans. Dieu bénit ceux qui marchent avec lui. Dieu bénit ceux qui le servent, ceux qui vivent pour lui. Et plusieurs parmi vous qui écoutez maintenant cette émission, plusieurs d'entre vous, vous êtes animés par un désir de succès, de réussir, de prospérer, d'avoir des enfants, une maison, etc. Et je voudrais vraiment vous encourager dans la saison, la phase que vous êtes en train de traverser, une fois encore, à tout délaisser aux pieds du Seigneur, afin de n'accomplir que sa volonté. Il veut le faire. Il veut se glorifier. Et lorsqu'on lit ce genre de témoignage, on réalise que réussir sa vie, ce n'est pas forcément réussir comme le monde l'entend. Jésus-Christ était au point culminant de la réussite ou du succès. Il l'était toute sa vie, bien sûr, mais c'était l'apogée, c'était la finalité, c'était là la fin de toute chose et le commencement de toute chose pour nous, sur la croix. La réussite la plus totale. Sur la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles. Par la croix, sur la croix. Sur la croix, il a vaincu la mort. Il a vaincu les puissances ténébreuses sur la croix. Un temps de difficulté, au point où sur cette croix, il s'est écrié avec l'humanité parfois, qui souffre, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est comme s'il était avec Jérémie dans ses souffrances, dans sa citerne. Comme s'il était avec Joseph aussi dans sa prison. Comme s'il était avec Daniel dans la fosse aux lions. Comme s'il était prophétiquement avec l'apôtre Paul, avec Pierre, avec Jean dans la prison. Comme s'il était avec vous et avec moi dans nos difficultés. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? La Bible déclare, Ésaïe 53, que le Père s'est détourné de lui pour poser ses regards sur nous. S'il s'est détourné de lui, abandonné des hommes, hommes de souffrance, habitués à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était méprisé, châtié à cause de nos fautes. Et ce sont nos souffrances, nos maladies qu'il a portées sur lui. Afin que nous ayons la paix, la Bible déclare que nous étions comme des brebis. Nous étions perdus, chacun suivait sa propre voie, mais il a fait tomber sur Jésus-Christ la faute de tous. Et aujourd'hui, vous qui écoutez cette émission, si aujourd'hui vous mouriez, si en cet instant, si dans une heure, la mort vous frappait et que vous n'êtes pas convaincu de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas convaincu que le ciel existe, vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous accepterait tel que vous êtes, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Parce que nous sommes sauvés par la foi, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir une assurance, une ferme assurance du salut. Vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés, la paix avec Dieu, cette paix pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix. Cette paix, il veut vous la donner. Et alors aujourd'hui que vous m'écoutez, je prie maintenant que vous puissiez recevoir ce salut. Mais je vous encourage, là où vous êtes, à faire cette prière de tout votre cœur après moi, à dire « Dieu, allez-y, si vous n'avez pas cette conviction, dites-lui « Dieu ». Je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. J'entends cet homme qui me parle de toi et je veux te recevoir dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux vivre à 100% pour toi et que ma vie t'appartienne. Transforme-moi, lave-moi, pardonne tous mes péchés. Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour me pardonner, pour me donner la paix et l'assurance de la vie éternelle auprès de Dieu. Me voici, tout entier, prends toute ma vie, tout ce que je suis à toi. À partir d'aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Je deviens ton enfant et je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Déclarez-le. Si vous avez cette foi, je suis sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Réussir sa vie,
Jésus dira, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La réussite, c'est faire et accomplir ce pourquoi Dieu vous a voulu, ce pourquoi Dieu vous a donné le souffle de vie. Et vous savez, certaines personnes sont nées après des abus. Certaines personnes n'étaient pas désirées, certaines personnes n'avaient pas été planifiées, mais quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes né, que ce soit par un choix humain, que ce soit par une erreur humaine, que ce soit par un abus ou même par un viol, c'est Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Et ce Dieu qui vous a donné le souffle de vie a écrit à l'avance toute votre vie, pour que vous puissiez entrer dans ses plans et vivre pour lui. Et je ne parle pas seulement à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais je veux vous parler aussi à vous, frères et sœurs, et à vous qui venez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a un plan pour votre vie, un plan de succès et de réussite. Mais il faut que vous soyez déterminés à réussir votre vie, déterminés à vous attacher à Dieu sans distraction, déterminé à connaître la volonté de Dieu et à l'accomplir, déterminé à faire ce pour quoi Dieu vous a créé. Et il vous faudra de la détermination entre la foi, oui, je crois en Dieu, oui, je crois que Dieu veut me donner cette chose-là, entre la persévérance qui va vous aider à tenir dans la foi, c'est comme le wagon, cette chose, cet élément qui va vous amener à persévérer, mais entre les deux, il faut quelque chose qui les raccorde. La détermination. Il vous faut cette détermination. Cette chose en vous qui va vous aider à persévérer. Cette chose en vous qui va ramener la foi et la persévérance à être ensemble, solidement attachés, et qui va vous faire réussir votre vie. On a parlé d'un homme. Cet homme a traduit la Bible. Ça lui a pris 20 ans à l'époque. À l'époque où les ordinateurs n'existaient pas. 20 ans, 20 années de sa vie à travailler. À travailler jour après jour, de longues heures, de longues journées. Et au bout de 20 ans, alors que tout était sur des papiers, tout était là, le travail de 20 années, un feu dans la maison, un feu dans l'entrepôt. Toute son œuvre de 20 ans, perdue. Perdue. Et là, on a deux réactions possibles. Seigneur, pourquoi entrer dans le découragement, l'apitoiement, les ténèbres, la dépression, la mélancolie, la souffrance, la tristesse, l'accusation, l'échec, le rétrogradage, s'éloigner de Dieu? Ou, comme cet homme, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Je suis prêt à accomplir ta volonté. Et cet homme, le lendemain, a recommencé son ouvrage. Le lendemain. Les gens étaient choqués. Comment tu peux trouver cette force? Comment tu peux trouver cette détermination? Et l'œuvre qu'il avait faite en 20 ans, il l'a fait en quelques années. Parce qu'il était déterminé. Les hommes et les femmes qui ont changé ce monde étaient des hommes et des femmes déterminés. Certains ne marchaient pas avec Dieu et pourtant ils ont réussi des exploits. Certains marchaient avec Dieu. L'abolition de l'esclavage est le fruit d'un fardeau que Dieu a mis dans le cœur de plusieurs hommes et de femmes. Plusieurs en particulier, comme Martin Luther King et autres, qui ont reçu dans leur cœur une vision divine qui leur a demandé une détermination. Des hommes et des femmes dont je pourrais citer les noms, qui ont passé certains quasiment leur vie en prison pour une cause, ils étaient déterminés. Et la Bible partage aussi le nombre d'hommes et de femmes qui étaient déterminés pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Vous voulez réussir votre vie, il va vous falloir la détermination. C'est tellement important. Et vous savez, il y a les casseurs de rêves. Ces hommes et ces femmes qui vous disent que ce n'est pas possible, ces hommes et ces femmes qui vous disent que vous êtes
d'une famille trop pauvre, ces hommes et ces femmes qui vous disent que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous êtes trop petit, ces hommes et ces femmes qui vous disent qu'on n'a jamais fait ce que vous avez à cœur de faire, mais ce sont des casseurs, des briseurs de rêves. Ne mettez pas votre foi en eux. Mettez votre foi en Dieu, en ce qu'il vous a dit. Sa parole est suffisante et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Cette parole est comme cette pluie qui descend et qui remonte à lui. Une pluie bienfaisante. Une pluie qui vient arroser, qui vient amener, qui vient fertiliser, qui vient donner la vie. Elle arrose, elle fait du bien. Cette vie, cette pluie, je prie qu'elle vienne sur vous aujourd'hui. Je prie qu'elle vienne sur vous déjà, une pluie qui lave, pour que vous puissiez saisir la pensée de Dieu. Une pluie qui lave, qui amène la guérison dans plusieurs de vos pensées, pour que ce qui n'est pas de Dieu puisse disparaître. Les choses éphémères, les choses vaines pour lesquelles vous vous battez aujourd'hui, que ces choses puissent disparaître et que vous puissiez, avec cette pluie, que cette pluie vienne aussi vous fortifier les racines, que vous puissiez prendre racine en Christ, que vous trouviez votre source en Christ et non dans les choses de ce monde, et que de ces racines qui prennent force, forme en Christ, vous puissiez commencer et il puisse commencer à sortir de vous quelque chose, une plante qui devient la plus grande plante de tout le potager, un arbre qui devient un arbre fort et puissant, qui porte du fruit en sa saison et qui ne cesse de croître et dont le feuillage ne se flétrit pas. Je veux déclarer sur vous qui m'écoutez au nom de Jésus-Christ que vous allez réussir votre vie si seulement vous restez attaché au Seigneur, si vous vous attachez à Dieu sans distraction, si vous ne vous laissez pas aller. Vous savez, l'Église est appelée à aller à contre-courant que le monde. C'est pour ça que c'est si difficile parfois. C'est pour ça qu'on a constamment besoin de revenir à la prière. On a constamment besoin de prier, encore et encore prier. Frères et sœurs, on a besoin de lui. On a besoin de Dieu. On a besoin de ne pas se laisser aller. On a besoin de ne pas être léthargique, de ne pas être endormi. Et vous savez, parfois, il faut enlever ses chaussures. Parfois, il faut les laisser avec Moïse sur le côté. Il faut laisser tout ce que nous avons avec Jacob, se mettre à genoux. Et je voudrais vous encourager, si vous pouvez le faire là où vous vous trouvez, à le faire. Vous mettre à genoux là où vous êtes. Parfois, il faut le faire. Parfois, devant Dieu, vous enlevez vos chaussures. Devant Dieu, vous vous humiliez. Devant Dieu, vous vous tenez. Jacob s'est allongé. Il a mis sa tête sur cette pierre. Il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Il a dit, « Oh, je ne savais pas. » Plusieurs d'entre vous, vous êtes découragés. Vous ne savez pas que le Seigneur est là. Vous sentez des oppressions spirituelles. Vous êtes confus. Vous êtes dans la détresse. Plusieurs femmes parmi ceux qui écoutent, celles qui écoutent, vous dites, mais j'avance en âge et je n'ai toujours pas trouvé de mari. Vous êtes préoccupés. Vous avez l'impression que le ciel au-dessus de votre tête est comme fermé. Vous vous posez des questions et vous dites, jusqu'à quand ? Je voudrais vous encourager aujourd'hui
à tout offrir, à tout donner à Dieu. Père, je veux prier pour ces personnes précieuses. Elles ont du prix à tes yeux. Plusieurs passent par le découragement. Elles se laissent emporter. Emportées par les difficultés, emportées par le temps. Elles ont l'impression que l'horloge, l'heure, le calendrier, les jours passent, les semaines, les mois et les années, et rien ne change. Elles ont l'impression de passer à côté du but, comme si elles n'étaient pas dans le bon corps, comme si elles passaient à côté, comme si elles étaient dans mauvais monde, mauvais environnement. Et Père, plusieurs d'entre elles, tu sais qu'elles ont déménagé, elles ont changé d'emploi, de travail, de maison, sans pourtant pouvoir dire j'ai réussi. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent. Maintenant, leur vie est si précieuse. Je prie qu'elle ne soit pas comme cet homme qui a accumulé des biens, des richesses, et puis qui, à la fin de sa vie, a dit « mon âme, tu as beaucoup de biens, profite. » Il était insensé. Père, je prie pour une révélation de l'éternité, une révélation de leur héritage au milieu des saints, une révélation de ce à quoi tu les appelles aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui. Des ambassadeurs pour Christ, un royaume, des sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père, établis en toi. Tu veux qu'elles prospèrent, tu veux qu'ils prospèrent, tu veux qu'ils réussissent dans toute leur voie. Père, je prie qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Je prie qu'en cette journée, qu'en cette semaine, il y a un renouvellement dans leurs pensées, un changement dans leur situation, un changement dans ce qu'ils croient, un changement dans ce qu'ils croient au plus profond d'elles, au plus profond d'eux. Que l'espoir naisse au nom de Jésus-Christ maintenant. L'espoir naît à nouveau. La foi est fortifiée. Père, je prie pour la détermination, pour réussir leur vie. Cette détermination qui était dans Noé, qui pendant des dizaines d'années a construit cette arche dans la folie. Cette détermination qui était dans Moïse, qui continuait pourtant dans les mêmes souffrances que le peuple à aller à la montagne. Te rencontrer. Je prie, Père, pour une détermination à marcher encore avec toi, une détermination à vivre pour toi, une détermination à accomplir les projets que tu mets dans leur cœur
Et il y en a des projets, Père, que tu as écrits, des projets que tu leur as donnés, tu as parlé ces projets. Ils les ont reçus parfois dans des prédications, parfois en priant, parfois en vaquant à leurs activités. Tout à coup, une pensée est venue dans leur cœur et tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et parfois, on n'y prend pas garde. Père, je prie que ce ne soit pas le cas. Mais je prie que ces chers frères, que ces chères sœurs puissent accomplir leur destinée. Alors que l'Église a prêché un message à l'eau de rose, que beaucoup d'Églises ont prêché l'argent, la réussite humaine, un succès humain, ton Évangile est l'Évangile de la vérité. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tu dis, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Père, je prie pour mes bien-aimés qu'ils puissent passer par là. Je prie qu'ils renoncent à leur vie. Je prie que chaque jour, ils se chargent de leur croix. Chaque jour, parfois c'est difficile, Père. Et je prie que chaque jour, ils prennent leur croix. Que chaque jour, ils viennent à la croix trouver la force, la détermination que toi seul donnes et qu'ils te suivent. Tu donnes la force, la vigueur à l'homme. C'est toi qui donnes la vitalité, la vie, le mouvement et l'être. Nous l'avons en toi. Je te glorifie, Père, pour ces personnes que tu as appelées à des causes, des personnes que tu as appelées dans le ministère à temps plein, des personnes que tu as appelées à être des pères, à être des mères dans ton royaume, dans l'Église, des personnes que tu as appelées à créer des associations, à faire du bien, des personnes que tu as appelées à être des directeurs d'entreprise, des politiciens, des hommes, des femmes qui sont en train aujourd'hui de passer du temps, des heures à étudier. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas ces études. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de connaître le corps ou les lois. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir porter du fruit pour ton royaume. Oui, Père, je prie pour des juges, des avocats. Je prie pour des politiciens, des hommes et des femmes, des docteurs qui marchent selon ton cœur, qui vivent pour toi. Des hommes et des femmes qui font non pas des études pour faire des études, non pas des études pour avoir un jour un bon salaire et pouvoir avoir une belle maison et attirer des gens, un homme ou une femme, mais des frères et des sœurs qui vivent, qui font des études pour accomplir ta volonté, pour se préparer comme Daniel le faisait. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire les remplisse. Gloire à Jésus-Christ.